Nordal-Lelandais aurait-il un lien avec la disparition de Lucas Tronche en mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze et dans celle d'Antoine Zoya un an plus tard à Clarensac? La juge d'instruction chargée de ces affaires s'intéresse à présent à Nordal-Lelandais. L'homme est le principal suspect de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys cet été en Isère, ainsi que de l'assassinat d'Arthur Noyer, un jeune militaire, en avril dernier en Savoie. La juge nîmoise chargée de la disparition des deux adolescents gardois s'est rapprochée des magistrats de Chambéry et de Grenoble pour de nouvelles investigations. Et ce, d'autant que le suspect connaît bien la région pour y avoir des attaches familiales. Selon les enquêteurs, il se serait rendu à plusieurs reprises à Bagnols-sur-Cèze ces derniers mois. Ces investigations relancent deux enquêtes au point mort. Elles vont porter sur l'analyse de la téléphonie du suspect et sur la présence éventuelle de son véhicule au moment et sur les lieux proches de la disparition des deux adolescents.